Yo, bonjour, sur ma chaîne YouTube, j'ai mon pour cette 812e vidéo où, cette fois-ci, je pense que vous voyez ce que je vais mettre. Eh ben, je vais mettre. Excusez-moi. Attendez. Je pense que vous reconnaissez la musique et les acteurs. Dan Aykroyd dans le rôle de Will Winthorpe et Eddie Murphy dans le rôle de Valentine. Valentine comment déjà? Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Un fauteuil pour deux, The Trading Place, qui est un très bon film, un excellent film même. C'est un film sur la finance, voilà. Voilà. Je vous fais écouter de Elmer Bernstein, musique composée par Elmer Bernstein. Alors, je vais faire un petit résumé sur ce film. C'est, ouais, comme j'ai dit, un film sur la finance que j'avais enregistré en cette vidéo et que qui m'a très bien plu. Je l'ai acheté d'ailleurs en DVD. Donc, voilà. En fait, c'est deux frères, les Duke et Duke, qui font un pari fou pour parce que après voilà, si au moins Dan Aykroyd avait regardé Eddie Murphy qui reculait et visait, et attention, je suis derrière moi, hein. Il aurait pu dire ça, Dan Aykroyd, de rien n'est droit devant lui, voilà, c'est sûr, et c'est là que ça aurait pu tout éviter. Et du coup il a reculé, dit Murphy, il a bousculé, fait tomber Dan Aykroyd, et là, Dan Aykroyd, il a paniqué, un fauteuil pour deux. Et alors, il dit, au secours, au voleur, il est dedans, il faut l'arrêter. Voilà. Alors, il y a une course-poursuite à l'intérieur de la maison de richesse à Philadelphia. Et donc, c'est un film de Aaron Russo, hein, qui... En fait, Aaron Russo, c'est un très bon réalisateur qui... a fait ce film pour justement dire que dans la finance, enfin, il a fait comme une histoire vraie de ce film, mais en même temps une comédie, voilà. C'est un excellent film avec Dan Aykroyd et Eddie Murphy, à voir et à regarder et à acheter, surtout en cassette vidéo ou en DVD, voilà. Maintenant, on va écouter la musique. Voilà. Elle est pas mal, la musique. Bon, la musique vient de Mozart, bien sûr. Mais à un moment donné, on voit Eddie Murphy faire l'espion, où il espionne les Duke et Duke dans les toilettes. Il est sur le trône des toilettes. Et il met, au lieu de que ça sente pas la cigarette, parce qu'il est allé aux toilettes pour fumer, il met sa cigarette dans la bouche, il avale. Et voilà. Et donc, en fait, voilà. Voilà. Les Duke et Duke, il entend tout ce qu'il dit les Duke et Duke, et les Duke et Duke, ou les Duke et Duke disent, vous savez, les deux vieux là, dans Un fauteuil pour deux, les deux personnes âgées, Ralph Bellamy et l'autre Don Amell, un homme comme ça, voilà. Deux bons acteurs que j'aime beaucoup aussi, les deux Duke et Duke, comme Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Donc, en fait, voilà. Ce film, Un fauteuil pour deux, The Trading Place, est un excellent film. En italien, le titre italien s'appelle Una poltrone per due, parce que je l'avais aussi acheté en cassette vidéo à Pour être à terme, où un jour je vous montrerai la ville, le village de Pour être à terme, où je vous montrerai même la presse que j'avais acheté en cassette vidéo en italien. Et maintenant, c'est le petit déjeuner de monsieur est servi. Voilà, c'est Dan Holm-Helium Coleman qui dit ça à Dan Aykroyd. Voilà. Un excellent film à voir et à revoir plusieurs fois, parce que en achetant en DVD en Italie, dans le monde entier, et en cassette vidéo, voilà, ou en DVD. En attendant, mettez des followers, 100 j'aime, des commentaires, abonnez-vous, comme ça je m'abonne, et surtout n'hésitez pas à mettre, je veux dire, voilà, il gagne 100 pouces.
follow, je veux dire, ouais, la petite chose pour donner du droit. Ciao tout le monde.